Salut les chasseurs, on est parti pour la quête, une brute flambant neuve qui demande d'aller chasser un T-Rex Berserk dans l'arène pour faire le plein de sphères d'armure et qui introduit par la même occasion la sphère d'armure pure qui donne 2000 points simplement pour améliorer. Donc c'est vraiment hyper important si vous êtes à la fin du jeu, vous avez besoin de beaucoup de points pour améliorer vos armures au max. Du coup cette quête elle est géniale. Ils ont fait celle-là principalement avec le T-Rex Berserk parce que c'est le monstre qui a été le moins chassé d'Iceborne. Voilà, ils ont voulu lui faire une petite commémoration comme ça. Je l'avais déjà faite, je sais pas si vous l'avez vu à l'époque popper sur la chaîne, je l'avais faite en groupe, mais j'en ai pas du tout été satisfait, j'avais fait un peu de la merde dessus, et j'avais surtout dit une énorme connerie, donc je l'avais striké, et là ça me donne l'occasion du coup de la refaire, mais cette fois en solo. Donc voilà, on est reparti, on va voir combien on va réussir à en avoir du coup. Hop, allez, cap temporel, je vais voir si le... si... Non, il n'y a pas le signal de chasseur du coup ici. Allez. Je me suis fait un petit set, je vous le montrerai à la fin. J'ai adapté le set Safi, je l'ai fait en eau. Je suis assez content de ce que j'ai fait, donc on va voir ce que ça donne. Hop, là le chat qui tanque un peu, c'est bien. Merde. Moi je le trouve, je sais pas vous, mais moi je le trouve particulièrement magnifique, le T-Rex Berserk. Déjà, quand il était sorti sur les versions précédentes, il était cool, mais alors là, ce qu'ils en ont fait sur Iceborne, il est vraiment splendide. Hop, je vais mettre. Tant qu'à faire, on va servir des outils du chat, hein, lui mettre le boom insecte, on lui mettre tout ce qu'on peut, comme fosse, histoire de lui mettre un max de dégâts. Hop là, alors. Non, il est pas. Bah, il s'est déjà pris. Allez, on va mettre la cage à foudre insecte, hop. Ah pour l'instant je prends un peu cher. Allez, essayez d'enchaîner un peu. Hop. Allez, dégaine-moi ça. On passe en jauge blanche, on est nickel. Là, il va faire son coup de queue. Hop. Esquive, je vais enlever la cape le plus vite possible. Je suis venu avec de l'expérience survie, donc normalement je vais pouvoir enchaîner les caps assez facilement. Oui, du coup le shiny loot qu'il a lâché, normalement ce sera bah, les shiny loot qu'il a lâché, ce seront des gemmes, ce sont des sphères d'armure. Voilà, normalement on ne peut pas récupérer d'objets de lui dessus. Donc tout ce qu'on va récupérer, hop, regardez, tac et tac. Bon, une lourde et une dense. Donc pas de pure pour le moment. Hop. Voilà, je vais prendre pas mal de coups. Bah, je vais beaucoup parler du coup dans la vidéo. Tant pis, je vais prendre quelques patates. C'est pas très grave. Je me sens pas particulièrement en danger. La témérité qui s'est activée. Ah, du coup, je viens de me réadapter vraiment mon set Safi. Voir ce que ça va donner. Je pense que ça va être bien. Je suis parti avec le. Si vous connaissez le katana, c'est le katana d'Astro Bleu des quêtes USJ. Ah! Il tourne. Et qui pour moi, hors arme craquée, genre arme Gjar et arme Safi Jiva, pour moi c'est l'une des meilleures armes d'eau du coup. Enfin en tout cas au niveau des katanas. Et puis il est assez joli donc vraiment pas mal. Ah, je me prends le coup. Ah ah, te relève pas. Merde, je suis stun. Ah, bon bah je vais devoir me soigner. Allez, popo secrète, on va pas prendre de risques. Il a paralysé, yes! Ouais, j'ai mis le champ en paralysie, je me suis dit que s'il pouvait me le paralyser au moins une fois dans la quête, ça serait du bonus, c'est fait, c'est nickel. Allez, jauge jaune, allez, il va falloir que je sorte quand même un peu le niveau. Non, je vais prendre un. Bah, je suis juste embêté par les cris, mais je prends pas de dégâts dessus. Ah! Je pensais que l'esquive allait marcher. Je sais pas exactement dans quel sens esquiver du coup ces attaques tournoyantes comme ça. Ah, il met de la patate. Là il met de sacrées patates quand même. Bon, c'est plus au niveau des plus gros monstres du jeu, très clairement. Hein. Vraiment ça se gère très large. Hein. Mais quand même. On peut considérer voilà, qu'au niveau des monstres normaux, en fait, ils continuent à poser quelques petits soucis. Allez, si je peux monter en jauge rouge, allez, allez, allez. Voilà, nickel. Je vais pouvoir claquer mes brise-crânes. Ne bouge pas. Voilà, très bien. Hop. Bah, tant pis, je m'étais mis déjà en position. Ah! Ah, j'ai fait l'esquive dans le mauvais sens.
J'ai mal géré mon coup. Il va falloir... je vais ramasser tous les petits shiny loot au passage. Parce qu'évidemment, hop, c'est pour ça qu'on vient se le faire. Une sphère d'armure dense. Allez, on esquive ça. Normalement, il m'en a laissé quelques-unes là-bas aussi. Oh, pour l'instant, que de la danse. C'est pas dingue. Allez, on va le laisser. Je vais le laisser avancer. S'il peut venir se manger la fosse. Hop. Voilà, très bien. Allez, c'est le temps qui va passer dedans. Normalement, je vais avoir le temps de passer en jauge rouge. Hop. Allez, enchaîne. Ah, j'ai pris les dégâts là, par contre, cette fois. Je peux réutiliser les deux. Je peux réutiliser la cape temporelle et le... Et l'ampli de vie. On va bien sûr pas se priver. Je vais toujours être embêté par ces cris par contre, ça c'est dommage. Ah, il s'est pris... Il a dû se prendre le boom insecte du chat. Très bien. Je vais lui redemander d'en mettre une. Hop. Et on coupe la queue. Voilà. Nickel. Il aura un petit peu moins d'allonge du coup en tournoyant ce pauvre petit Y. Alors, est-ce qu'il... Ouais, là, il semblait bien qu'il en avait lâché d'autres. Hop. Lourde et lourde. Ah. Ah, pour l'instant, ils veulent pas me lâcher d'eau pure. Hein. Une autre danse. Tant pis. Hop. Est-ce que le chat... Voilà, c'est réactivé. Hop. Remettre le boom insecte. Là, il est tombé à mes pieds. Pouvoir enchaîner. Hop. Il détruit la tête. On passe en rouge. Il attaque. Mais avec la cape temporelle, pas de problème. Hop, t'as posé le boom insecte, tu vas me poser aussi la fosse piégée, hop. S'il bouge pas trop, je vais pouvoir lui caler le brise-crâne. Il bouge même pas du tout, c'est nickel. Ah, je suis un peu loin. Allez, normalement je touche, jauge rouge. Allez, s'il peut rester en place encore juste un tout petit moment... Voilà, nickel. Bon bah il est assez coopératif hein, là. Pour l'instant. Je vais enlever tout de suite cette cape. Ah, sauter pile dessus. Je sais où aller coller mon ampli de vie. Je vais le coller ici. Comme ça, quand il va venir se caler. Quand il va venir se caler dans la zone. Dans la fosse, pardon, on va pouvoir se soigner en même temps. S'il veut se retourner. Non, il a pas envie. Bon bah tant pis, il se le prendra tout à l'heure. Ah. Allez, retourne-toi. Putain, là, il en veut à mon chat. Hein. Il a pris mon chat pour cible. Pour l'instant, de nous, il en a plus rien à cirer. Oh, une sphère d'armure royale, c'est pas si mal. Hop. Ah, il a sauté par-dessus. Allez, suis-moi. Arrête de passer par-dessus, viens te coller dedans. Ah, c'est comme ça que vous perdez un temps fou en quête quand vous essayez de coller le monstre dans une fosse qui veut pas et du coup ben pendant quelques temps vous arrêtez de taper. Bon alors que sincèrement il n'y a pas même pas spécialement besoin. Ah, il est à nouveau énervé, ça a dû activer ma témérité. Hop. Ah, il s'est... Ah, c'est bon. J'allais dire il a vraiment trollé. Parce que là, il s'était reculé. Je me suis dit, attends, il se recule, il va me mettre pile son cri au moment que je saute. Vraiment pas cool. Mais finalement, c'est finalement tout bon. Hop. Allez, on le détruit, on le met au sol, nickel. Allez, on va enchaîner avec un autre brise-crâne. Hop. Est-ce que je vais avoir le temps de monter en jauge rouge avant qu'il bouge? Ouais, normalement, il se le prend. Non, là il va être trop loin. Ah si, il se le prend quand même. Cool. T'as là le pauvre, c'est nous qui l'enchaînons là. Là, on l'enchaîne très bien. Ah merde, ouais bah là. Non là malheureusement, il m'a bien eu. Allez quand même se soigner, pas y aller trop YOLO non plus. Là il y en a de partout. Voilà, une pure. Très bien, on a notre première sphère pure du coup dans cette quête. Hop, une danse. Encore une danse.
Et on en a une dernière. Encore une pure, ça c'est cool. Ouais, je vous dis, c'est les sphères 2000 points, c'est juste énorme. Ah, là il va crier, ouais, c'était sûr. Ah, je suis passé en tranchant, j'ai pas fait attention à mon tranchant. Heureusement, j'ai mis quelques points d'aiguiseur, donc je vais pouvoir aiguiser assez rapidement. Ah voilà, en plus le chat qui l'a fait tomber pile poil à ce moment-là, alors qu'il aurait quand même eu le temps de nous attaquer. Ah là, sur le crâne, bon, il contre-attaque juste derrière. Ah, c'est un beau combat, j'aime bien. On enchaîne, j'ai l'impression qu'on a les deux, lui et moi, on enchaîne un peu les momentum. Il y a un moment où je vais bien y arriver, puis il y a un moment où c'est lui qui va réussir à me mettre des coups à chaque fois. C'est aïe, oula, bon, par contre, arrête de faire le malin, Ragdos, arrête de faire le malin, hop là, voilà. Ce sera quand même un peu plus safe en étant full vie, et ça meurt. Bon bah, je me suis remis full vie pour pas grand chose, mine. Malheureusement. Allez, on va récupérer les objets. Je sais même plus ce qu'on récupère sur lui. Est-ce qu'on récupère d'autres sphères? Ou est-ce que ça va donner des objets à la con habituels, des quêtes comme ça dans l'arène? Je vais vous répondre tout de suite. Ah si, ouais bah voilà. Bah on récupère également des sphères d'armure en le dépeçant. On va confirmer ça en dépeçant le corps également. Non bah voilà, en gros même en le dépeçant on récupère nos sphères d'armure. Donc voilà, si vous avez besoin d'améliorer vos armures pour aller vous faire par exemple les dragons anciens alpha ou le fatalis, hein, du coup n'hésitez pas à farmer cette quête. Je vous montre un peu mon stuff, ce que je me suis fait. J'ai gardé le stuff que je voulais faire pour la Latréon. Machine de guerre, j'ai mis du Maelstrom, je suis à 5 au lieu de 6 parce qu'à 6 tout simplement on dépasse le maximum. Donc il n'y en a pas besoin. Donc voilà, vous avez le temps de voir, j'ai pas eu le temps de tout vous dire. Si ça vous intéresse, vous me redemanderez du coup dans les commentaires et je vous dirai un peu ça. Hop, bien sûr, on en récupère encore dans la récompense. Vous voyez qu'on se récupère une sphère d'armure pure. Quelques autres sphères et ça, on récupère des tickets TX Berserk. Je vous remettrai dans les commentaires à quoi ça sert parce que j'avoue que je sais pas. C'est à présenter à la forge, je me souviens plus à quoi ça sert. Donc je regarde ça et je vous mets ça dans les commentaires. Hop, on quitte ça. Et ben voilà, bah écoutez, on a terminé la quête. Normalement, j'aurais pas... Bah, pas de taille d'or. Ouais, il me semblait bien que de toute façon, je n'avais plus besoin d'aucune taille d'or pour le Tigrex Berserk. Mais écoutez, voilà, la quête se termine. Merci à vous de l'avoir regardé. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile, du coup, aussi. En présentant un peu les sphères d'armure. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus. C'est super important pour la vidéo et ça fait très très plaisir d'un point de vue personnel. Donc merci à tous ceux qui le feront. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et activer la cloche si vous ne voulez rien rater des prochaines vidéos et des prochains lives également. Donc voilà, bah écoutez, on a fait le tour. Dites-moi si vous voulez rejoindre également le Discord de la chaîne. Voilà, il y a 3 semaines, j'ai créé le Discord pour réunir la communauté, pour tenir un peu tout le monde au courant des nouvelles sorties vidéo, tout ça. Je poste tout sur le Discord. On est déjà presque une petite trentaine, donc si vous voulez venir discuter avec tout le monde, vous êtes les bienvenus. Je vous mets le lien du Discord dans les commentaires. Et voilà, j'espère accueillir dans la description, pardon, le lien du Discord. Et j'espère accueillir de nouvelles têtes très très vite. Bah écoutez, voilà, on a fini. Il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine quête. Allez, ciao.